Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et on était en train de parler du nombril de Morgane et tu le coupes. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu de la vérité volume 2. On a déjà fait un volume 1 en début d'année. Aujourd'hui, on a un nouveau casting tout aussi exceptionnel que la première vidéo. On est avec Morgane, Lucas, Anna, Léo Jordi et Pierre. Déjà, moi, je m'en fous un peu des gens comme ils viennent sur ma chaîne. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? On est là, découvre chef. Cheveux gras et cheveux ébouriffés, trop, pas envie de coiffer. Ouais, cheveux sales globalement aussi. Hein. Calvasse. Dégueulasse. Mais même ce bof dégueulasse est mieux. Un accident de couleur de cheveux, ça arrive. Oh non. C'est pas grave, Anna, faut pas oublier. Non, c'est Jordi qui m'atteint les cheveux. On a laissé poser trop longtemps. Juste pour que les personnes se rendent compte, c'est un peu trop orange. Voilà. Très très orange quoi. En vrai ça va. Ça va, ça va en vrai. Il y a un côté désigual un peu. Le physique n'a de la valeur que ce qu'on lui donne. Ça va Blaise Pascal? Blaise Pascal. Messieurs, dames, je rappelle les règles du jeu de la vérité vraie, véridique, vérifiée et vérifiable. Exemple sur la première vidéo, je pose une question type, j'ai déjà été infidèle. Chacune des personnes doit répondre la vérité de manière anonyme, c'est-à-dire face cachée, oui ou non. On prend les cartes, on les mélange et ensuite de manière individuelle, on va devoir deviner le nombre de oui qu'il y a dans la pioche avec les cartes que vous avez ici. Ça va de 0 à 7. Et donc, les personnes qui ont trouvé le nombre exact de oui dans la pioche marquent un point et la personne qui a marqué le plus de points à l'issue de la vidéo remporte la partie. Par contre, celui qui perd, il doit sentir mon doigt. Ça me dégoûte. Deux mois et une semaine de... Un peu plus. T'as vu ton pansement? Tu faisais une vidéo par jour à l'époque. Ah ouais. Je préfère prévenir pour les plus jeunes qui nous regardent, il y aura des questions un peu limites. Moi, ça reste à chaîne, on connaît. Hein. Vous avez déjà fait un bisou sur la bouche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. On commence soft parce que c'est le début. J'ai déjà trahi mon ou ma meilleure amie. Attends, est-ce que ça c'est vague ça? C'est comment vous l'interprétez? Pour vous, c'est une trahison, tu vois? Ça peut être par exemple divulguer un secret. Ok. Donc là, le jeu commence maintenant. On doit dire. On est 7, donc ça va de 0 à 7. Hein. Et j'espère pas que j'ai bon. Hein. Attendez, je réfléchis. Attends, qui est une merde ici? 3, 2, 1, on révèle. Moi, je pense qu'il y a 2. Ah, j'ai mis 1, moi, j'ai mis. Moi, j'ai honte de mettre 4. Hein. Trahir, c'est fort. Hein. Trahir, c'est pas un petit mytho, c'est pas un truc, c'est une trahison. Et on vous retrouvera ceux qui ont trahi vos potes. Hein. Genre, si tu te rends compte qu'un week-end où tu fais rien, tous tes potes, même qui se connaissaient pas trop il y a pas longtemps, et que t'as mis toi en contact, sont partis eux-mêmes au ski ensemble, ça, c'est de la trahison, ça. Est-ce qu'on a un mouchoir pour Pierre? Non, non, c'est juste savoir c'est quoi la trahison. Non, non. Il n'y a que des noms. Non, 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 oui. Allez, c'est Morgane. Oui. Allez. Oh là là. Ceux qui ont répondu deux ont juste. Pour pas qu'on divulgue les réponses, je reprends ça. Je fais pas ça, Morgane, tu récupères ta carte et petit à petit... Je récupère ma carte, les amis. C'est vous maintenant et vos cartes. Moi, je récupère mon nom parce que je suis pas une pute. Non, il va rester les deux oui, nous. Je suis déjà allé voir un psy. Intéressante, celle-ci. Intéressante, celle-là. Volontairement ou si c'est un juge qui t'oblige à faire. Donc là, maintenant, on va devoir deviner le nombre. Attention, je dis pour mes abonnés, même si vous êtes 70% à regarder cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vais faire une vidéo bientôt sur la psychologie. Et c'est pas une honte d'aller voir un psy. Et ça peut régler les troubles d'érection. C'est pas la même chose. Attends, je rajoute un plus un là. 3, 2, 1, je dis 4. J'ai mis 5. Oh, c'est beaucoup. Il y en a deux qui ont besoin d'y aller, mais qui sont jamais allés. Le reveal, qui allait voir un psy? Oui. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Ah, allez, encore un. Oui. Ça tient, allez. Oui, 5. 5 personnes. Dédicace à Marie, 70 euros de l'heure, mais c'est vraiment utile. Je préfère le dire, si jamais à un moment donné, vous voulez participer et poser une question, vous êtes libre. J'ai déjà inventé une excuse pour ne pas faire l'amour avec mon ou ma partenaire. J'étais qu'à contact. Il reste qui, hein? Il reste Pierre. Dès que t'as fait un bluff ou t'as fait un... Je te jure. C'est un poker pour moi. 3, 3, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je réponds, voilà. Mais c'est humain, putain, on n'est pas fait pour baiser tous les jours non plus. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Pardon, pardon. Très Léo, ce genre de move. Très, très Léo, ça. On peut pas se concentrer plus de 10 secondes. 3, 2, 1, 6. Moi, je pense que c'est 4 personnes. J'ai mis 3 aussi. Personnes. On est en bleu sang, mon frère. Ah, bien sûr. 3, 2, 1, non. On a un oui. 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 Oh là, je peux faire un 6. Je peux faire un 6. Non, oh non, c'est 5. Personne marque de points. Mais attends, on peut débriefer, on débriefe pas assez. Mais toi déjà, t'as mis la carte oui sans même avoir la fin de la question. Oui, c'est vrai, mais c'était oui. Genre, t'inventes un petit ouais, un petit mal au crâne, ou un petit demain tu tournes, ou d'un petit stress, ou un truc. Voilà, c'est pas non plus un mytho. En plus, toi, ça fait 12 ans que t'es avec la même personne, donc toi, t'es lassé de fou, toi. Tiens, y a plus de goût. C'est une glace à l'eau? Mais c'est pas mauvais après. Mais juste, tu mangerais pas 5 glaces à l'eau dans la journée, ça a aucun sens. Je pense que l'amitié homme-femme est quasiment impossible. Oh, mais c'est dur, c'est philosophique, ça. Il y a une question sur la peine de mort après ou pas? 3, 2, 1, 4. 3, 4. Oh, c'est serré, tiens. 3, 2, 1, non.
Oui. Ah, il y a des gens qui ont mis oui. 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 Non. 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 Ah ouais. Yes. 4. Ah yes, j'ai gagné. Ah ouais, 4, c'est beaucoup quand même. Moi, j'avoue que j'ai mis oui. Pourquoi? Parce que... Tiens, ça, tu vois, ça m'étonne de toi. Non, mais je t'explique. Pour moi, tu sais, être ami... Ouais, je suis ami avec Jordi, avec Anna, avec Juliette, avec plein de gens. Mais moi, je parlais vraiment de meilleur ami, l'amitié vraiment. Moi, je pense qu'un gars, pour moi, si un mec, il a une meilleure amie depuis des années et tout, j'ai toujours tendance à dire que si un jour la fille lui dit, vas-y, on le fait, je pense que le gars ira. Mais tu peux quand même rester amis tout en couchant ensemble. Ah, c'est tricky quand même. Il y a quelqu'un qui finit blessé. C'est vrai. Après, est-ce que ça reste une amitié dans les deux côtés? Question suivante. J'ai déjà menti à une des personnes autour de cette table. Oh bah. Sachant qu'il y a le patron, donc. Et qui demande souvent son look si c'est bien. Attention. Est-ce que j'ai déjà menti, ouais, moi? J'ai dit que j'aimais bien les claquettes de Lucas tout à l'heure. 3, 2, 1, moi je mets 7. Oh, j'ai mis un 6, mais j'ai hésité à mettre 7, ouais. Non, mais si tout le monde a mis oui, c'est sûr. Oui, 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 oui. Oui, oui. Un petit nom, s'il te plaît. Oui. Oh Fred, bien joué. Par contre, c'est presque triste, hein. C'est humain. Mais non, mais surtout que t'as des mensonges, des fois, ils sont pas mauvais, tu vois. C'est des mensonges pour améliorer la vérité, tu vois. Rien que dans la phrase, j'ai travaillé de chez moi aujourd'hui, il y a un mensonge. Je n'ai pas lu un seul livre. Ah, ouais, c'est bon. Depuis un an. Attends, 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 attends. Suis de Pierre, il compte ou pas? Non, c'est pas un livre, ça. C'est un best-seller. Attends, fini en entier ou pas? Est-ce qu'on peut lire la préface? Ah, c'est dur, hein. Vous me faites mal au cœur. Un jeu de société, c'est pas un livre? Non, non. D'accord. 3, 2, 1, 4. 4, 4, 4. 4. On est avec Jordi, on a confiance en vous, je crois. Bah oui. Mais non, bah, c'est sûr, déjà, vous quatre, vous avez lu un livre. Et moi aussi, donc vous deux. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Oui. Non. Oui. Allez, Lucas. Okay. Non. Non. Allez. Oh non. Allez. Non, oui. Mais c'est... Oh, personne. Personne ne prend le point. Je suis moyen. Il a pas dit je suis nul, il a dit je suis moyen. Attendez, on va quand même vérifier les mythos. Vous avez lu quoi? Moi, j'ai rien lu. Moi, j'ai lu le dernier bouquin de Fab Caro. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Apocalypse Cognitive d'un sociologue. Non, mais en vrai, Léo, pour le coup, il lit tout le temps. À chaque fois que je le vois, c'est vrai. Ouais. Bah, moi, j'ai un fichier Excel avec tous mes livres, donc ouais, c'est bon. Ouais. Non, toi, c'est bon. Comme moi. Oh, c'est toi qui as dit. T'as dit, j'en finis pas. Question suivante. Je suis allé voir au cinéma Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Attends, en entier ou pas? Y'a que Fred. Fred, il serait bien allé l'avant-première. 3, 2, 1, une seule personne, je pense. Non, je ne suis pas allé voir. Non, je ne suis pas allé voir Astérix Obélix. Non, je ne suis pas allé voir Astérix Obélix. Non. Non. Oui, mon pote. Est-ce que c'était oui? Oui. Parce qu'on a mis oui avec Morgan. Ah, let's go. Vive Guillaume Canet. Let's go. Et alors, t'en penses quoi, Lucas? Moi, je trouve que les gens ont été très durs avec ce film-là. Je suis déjà allé voir un médium pour connaître mon avenir. C'est les questions olé olé, là, ou... Et alors, je parle pour un pote, mais s'il y a personne qui est venu à nous, tu parles de toi, dans le cadre d'une vidéo, ça compte ou pas? Oui, oui, bien sûr. 3, 2, 1, 4 personnes. 4 personnes. 3, 2, 1. Ah ouais, ah non, je suis nul à chier. Fred, il y a toi, il y a moi. Quoi? Bon, non, mais... Oui, non, oui, non, non, oui, oui. Let's go! Bah nous, c'est point de vidéo. Elle mais toute leur chaîne, en fait, c'est des questions pour eux. Qui a déjà mangé un kebab à 1000 euros? Bah moi. Bah non, parce que non, tu triches sur les prix. Et attends, moi, petite anecdote. Je suis allé deux fois pour des vidéos, dont il y a une il y a longtemps, et où elle avait fait des prédictions sur des youtubeurs qui se sont avérés vrais. Notamment sur McFly et Carito, qui ont fait après du cinéma, alors qu'elle savait pas du tout qui c'était McFly et Carito. Donc elle avait été assez forte. Et elle a dit, je sens qu'ils vont faire du cinéma. Ouais, c'est avec ce mec, c'est pas du cinéma. Oh, comment j'aurais pas aimé sur mon doigt. Waouh, écoutez ça, Guillaume Canet, on t'aime. Non, non, mais c'est au moment où après ils ont annoncé, ils avaient fait un jeu avec Michael Youn et Vincent Dezania. Ah, exactement. Et Michael Youn dit, parce qu'ils perdent, on vous invite dans un film. Et c'était arrivé quelques mois après ma vidéo. Alors, niveau plaisir, je considère que la bouffe est meilleure que le sexe. Il y a des gourmands autour de la table. Ça dépend quel plat et quel... Parce que le burger de ce midi de Joe, la sauce vinaigrette... Ça revient un peu à la compétition du meilleur plaisir qu'on avait fait avec mes acolytes. Bah oui. Il y avait bouffe, sexe, etc. C'est quoi le meilleur? À son prime, hein. À son prime, hein. Après, c'est par défaut aussi. Moi, des fois, je vois quelqu'un, je me dis, lui, il aime pas la bonne bouffe. Donc... Et puis, il y a des gars comme Fred qui a pas le choix, donc il bouffe. 3, 2, 1, 3. 3. Oui. Oh, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 2, je pense. Non, oui, non, non. Oh non, oh non, non, yes. Il y a un seul. Il y a que Morgan, quoi. Non, c'est pas moi. Bah, tu vois, je comptais que t'allais mettre oui, toi. Parce que tu me dis, t'aimes pas le sexe. Non, si, si, j'aime bien des fois. Des fois, pas tout le temps. Quand j'ai une opportunité gratuitement, je le fais. Pour 1000 euros. Attends. Pour 1000 euros, je lèche la cuvette du premier étage pendant 10 secondes après le passage de Morgan VS. Et les gens le savent ou pas? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit Morgan Vest, que si c'est quelqu'un d'autre, attends, ça peut changer le truc. Est-ce que pour Morgan, il peut y avoir une autre formulation? Ah, moi, j'ai mis oui. Bah oui, parce que c'est toi. Tu cales Pierre Ménès au chiol, j'y vais. Hein. Y'a pas de. Y'a 1000 euros à la clé, frérot. C'est quoi, 10 secondes? Parce que je trouve qu'il y a une différence entre lécher du bout de la langue et à pleine langue. C'est, non, c'est 50% de la langue. T'as un tour par seconde. Y'a 1000 euros à la clé. 1000 balles. 3,
2, 1, 6. 3. Attends, comment le frais? Ah, j'ai mis 1. Pour 1000 euros, je pense qu'il n'y a que toi qui a mis oui. Ah, non. Oui. Bah non, 1000 euros, frère. Moi, je t'ai mis oui. Je vous donne mon raisonnement puisque vous le demandez. Morgane, moi, je le connais, donc psychologiquement, ça me fait moins mal de le faire. On perd en dignité, Morgane, en expérience. Combien de personnes sont prêtes à lécher la cuvette des toilettes après le passage de Morgane? Pour 1000 euros, hein. Non. Pierre Cross. Oui. Tout le reste. Non. Jordi. Oui. Non, non. Oui. Oui. Balance, allez, venez, on y va, venez, on y va. Hypothétique. Morgane. J'avais envie en plus. Là, on peut parler ouvertement, là. Ouais. C'est qui? En fait, j'ai hésité, mais j'ai mis non. Bah, et Fred, du coup. Fred? Attendez, la vérité vraie, c'est des choses qu'on ne dit pas. Moi, j'ai mis non plus pour la... Tu sais, t'as pas la fierté de te dire, ah, c'est du bel argent, tu vois, c'est l'argent de noces, tu vois. Et sur la brosse électrique, tu sais, t'as la... Oui, la fonction, de toute façon. Et t'as la fonction de langue. Alors, rappel les scores, Morgane, 3 points, Lucas, 2 points. Anna 4, Fred 3, Léo 3, Jordi 3, Pierre 3. Question suivante, j'ai déjà fantasmé sur le copain ou la copine d'une amie. Copain, copine, fan, concubin... Pas que ça compte aussi. Moi j'ai des potes qui sont bien entourés, hein, c'est des missiles. Après c'est hypothétique, enfin, je veux dire... Ouais, c'est genre, tu dis, ah, pas mal. Tu sais que tu iras pas, mais... Fantasmer, ouais, voilà, c'est pas y aller. Oui, c'est le rêve. C'est le cerveau, il travaille, enfin... Ah, il pensait, faire la démarche de sortir le paquet de mouchoirs, sortir de la couette... Morgane, celui-là, il a un tiroir esprit pour ça, quoi. J'arrive pas du tout à savoir, là. Alors, il y en a six, je vois très bien. 3, 2, 1, 4. 3. J'ai mis 2. Mais ouais, 5, vous êtes des fous, on est où, là? Non. Oui. 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 Non. Allez, un an. Non. Yes. Il y a eu 4 oui. Ouais, je sais pas, c'est dégueulasse. C'est pas bien. Il est bien en dégradé. Pierre, il analyse à chaque fin de tour, il analyse les gens, il les regarde dans les yeux. Il a dit de manière transparente. Moi, c'était de manière transparente de un pote qui me présente une nouvelle copine et je me dis putain la vache, ouais. Bah fantasmer, ça veut dire que tu t'attends un peu, c'est pas juste tu la trouves belle. Non mais genre, je sais pas, t'es en soirée, il y a ton pote et sa nouvelle meuf, tu mets un petit truc dans le verre de la meuf. Quoi? Alors, ça tourne, fais gaffe. Ah, j'avais mal compris la question. Je crois que c'était manipulé, la meuf. J'avais mal compris la question. Attends, est-ce que je la pose cette question? T'es trucs dans le cul? Tu l'as trop teasé, celle-là. Mais rien qu'un suppo, hein, c'est drôle. Non, un suppo, c'est marrant, mais si pas quand t'es petit. Ah non, maintenant. Est-ce que là, dans les 5 dernières années, tu as déjà eu un suppo, tu vois? La question Jordi, on peut faire un petit générique? Est-ce que dans les 5 dernières années, j'ai déjà, je sais pas si t'as dit comme ça, pris un suppo dans les fesses? Oui, bah tu le prends où le suppo toi? Ouais. Par les narines. Et je pense que ça vient d'une réflexion en off qu'on avait, je disais à quel point c'est humiliant quand t'es enfant. Pourquoi on te met un suppositoire, il y a des doliprane par la bouche et tout, pourquoi? Mais non, c'est pour la rapidité de réaction. Ouais, mais bon, si ça met 2-3 heures de plus, c'est pas grave. Quoi. Quand t'es bébé, je trouve ça trop rigolo. Quoi? Rigolo. Le maître ou le... Oui, d'accord. Quand j'étais petit, moi je trouvais ça rigolo. Il voulait pas te goûter, Pierre, c'est que le suppo. Hein. Et d'ailleurs, vous saviez qu'il fallait l'enfoncer. Genre pas le bout de la fusée à l'intérieur, mais... Ouais, c'est l'inverse. Bah moi, tu vois, de l'autre côté, je trouvais ça rigolo. C'est quoi cette table de fou, là? Ouais, je suis... Il y a un oui, on met une cam sur lui, on met la musique de 7 à 8 et il en parle. 3, 2, 1, je mets 0. 0. Ah ouais, 2? Oh, Renal, ça inclut pas dedans. Non, non, non. Oh oui. Stop. Non, non. Il y a un suppo. Il y a un suppo. Il y a un suppo. Anna, en fait, c'est pour rattraper sa couleur de cheveux à la base. T'as le choix entre un petit verre d'eau et bah, je me mets un truc dans le cul, mais non. Les effets secondaires rendent les cheveux orange. Non, mais je peux m'expliquer? Aucune onde, c'est médical. J'avais pas le choix. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit, tiens. Il y a même plus de consentement, c'est ok. Ah ouais. Mais c'était même pas un médecin, c'était un gars, non. Un gars qui attendait comme ça. J'ai le suppo, t'en veux un? Beurre de cacahuète, c'est une dinguerie. J'avoue, les suppos bigous. Il y a des goûts? Il a pas les rectales, lui. Vous avez choisi votre suppo de ce midi et ce soir en fonction du menu. Moi, j'ai les accords suppo vin. C'est une dinguerie. Tu peux faire ça sur ta chaîne bientôt? Parce que je vais avec toi, je vais avec toi. Ah, mais il y aura un sommelier qui sera là. Suppo à 1 euro, mais suppo à 1000 euros. J'adore mélanger, je fais du suppo salé des fois. Tu partages un suppo avec moi? Je vais pas le finir, moi. Je vais pas le finir, c'est sûr. Mais franchement, celui-là, je le sens pas. C'est sûr qu'il a vu l'image du gars en costard. Avec son petit suppo d'or, là. Je vous propose cette gars. Là, c'est du sud-ouest. J'adore les fourrures de Lucas. Oh, le suppo vin. Trop
trop bien. Question suivante et dernière question. Après cette bonne tranche de rigolade, je souhaite le plus grand malheur à mon ex. Son plus grand malheur ou... C'est genre une, un ongle incarné. C'est pas forcément le dernier, ça peut être avant. Il a son suppôt, lui. c'est sûr. Attends, je vais penser à un corps suppôt. Ah non, Lucas va passer à autre chose. Et 3, 2, 1, 3, 2. Oh, j'ai mis 0. Moi aussi, j'ai mis 2. En vrai. Mais je pense qu'il y a que des gens gentils, non? Bah non, les ex sont pas toujours gentils, par contre. Hein. Oui, non, non, oui. Oh, stop là. Non, non, non. Récap des points à l'image, Morgane 5 points, Lucas 2 points, Anna 5 points, Fred 4 points, Léo 3 points, Jordi 4 points et Pierre 4 points. Lucas, tu vas devoir sentir le doigt de Pierre. En vrai, je souhaite ça à aucun de mes pires ennemis. T'aimerais bien que ton ex sente le doigt de Pierre? Ah, je lui souhaite ça. Hein. Bon bah voilà, c'était le jeu de la vérité volume 2. Je pense faire un volume 3, mettez en commentaire des questions qu'on pourrait se poser. Merci tout le monde d'avoir participé à ces vidéos. Merci Pierre, Jordi, Léo, Anna, Lucas et Morgane. Et bah merci beaucoup, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Fin de vidéo. Ciao, ciao.